Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, dans les moments d'allégresse, dans les moments de reconnaissance, d'action de grâce, comme dans les moments de doute, de faiblesse, de tristesse, de désarroi, désappointement, tu es là, tu demeures là. Nous te bénissons, Seigneur notre Dieu, pour ta constance, ta persévérance, ta fidélité pour tes créatures. Merci parce que tu n'es pas un Dieu lointain, mais tu es un Dieu qui te fait proche, qui t'est fait proche, et qui continue jour après jour à te faire proche de ton peuple. Alors nous te supplions, Seigneur, ouvre nos yeux pour que nous puissions non pas seulement entrevoir, mais vraiment apercevoir ta gloire, ta majesté, ta splendeur, ta miséricorde, ta compassion, Seigneur. Ouvre nos oreilles. Au moment où nous prenons cette Bible que l'on nomme ta parole, et parle-nous, Seigneur. Nous sommes tes serviteurs et tes servantes, nous désirons ce matin, en ce premier dimanche du mois de mars, nous désirons entendre ce que tu as à nous dire. Nous avons faim et soif de toi, Père. La vie ici-bas, à quoi bon sans te connaître? Tu es saint, Seigneur. Donne-nous de contempler cette sainteté et de désirer profondément cette sainteté. Transforme-nous à l'image de ton Fils. Amen. Je vous propose donc, comme nous le disait Dana, qu'on termine, on clôture ce temps sur les béatitudes. Donc il y a 8 béatitudes. On n'a pas exactement fait 8 dimanches sur les béatitudes parce qu'il y a eu des dimanches, par exemple le premier dimanche du mois de février, où on avait un autre texte parce qu'il y avait la présentation de la petite Georgiana. Et donc on avait fait un écart. Et au mois de janvier, on avait aussi eu la joie d'avoir le pasteur Laurent Wagon, le pasteur des ADD de Mantes-la-Jolie, qui était venu et qui du coup avait aussi choisi un autre texte. Donc sachez-le, il y a 8 béatitudes et donc aujourd'hui on prend la dernière béatitude, mais pour bien la recontextualiser, je vous propose que nous lisions l'ensemble de Matthieu chapitre 5 à partir du verset 3 jusqu'au verset 12. Si tu veux bien me les projeter, Mathis. Et même à partir du verset 2, parfait. Jésus prend la parole et il enseigne en disant « Ils sont heureux ceux qui ont un cœur de pauvre parce que le royaume des cieux est à eux. » Ça, c'est la combientième béatitude? La première béatitude. « Ils sont heureux ceux qui ont un cœur de pauvre parce que le royaume des cieux est à eux. » Deuxième béatitude. « Ils sont heureux ceux qui pleurent parce que Dieu... » Oh, c'est beau quand vous le lisez. On va le lire ensemble, allez. Troisième béatitude. Ils sont heureux ceux qui sont doux parce qu'ils recevront la terre comme un don de Dieu. Quatrième béatitude. Ils sont heureux ceux qui ont faim et soif d'obéir à Dieu parce qu'ils seront satisfaits. Sixième béatitude maintenant. Cinquième, merci à ceux qui suivent. Ils sont heureux ceux qui sont bons pour les autres parce que Dieu sera bon pour eux. Sixième, ils sont heureux ceux qui ont le cœur pur parce qu'ils verront Dieu. Ils sont heureux ceux qui font la paix autour d'eux parce que Dieu les appellera ses fils. Et dernière béatitude, ils sont heureux ceux qu'on fait souffrir parce qu'ils obéissent à Dieu, oui, le royaume des cieux est à eux. Vous êtes heureux
quand on vous insulte, quand on vous fait souffrir, quand on dit contre vous toutes sortes de mauvaises paroles et de mensonges à cause de moi. Soyez dans la joie, soyez heureux, parce que Dieu vous prépare une grande récompense. En effet, c'est ainsi qu'on a fait souffrir les prophètes qui ont vécu avant vous. Amen. Heureux ceux qui pleurent parce qu'ils seront consolés. Déjà, je vous avoue que pour moi, c'est une béatitude qui n'était pas évidente. Heureux ceux qui pleurent. Quand Anta, tu es là en train de nous témoigner par rapport à la situation à Madagascar de ton frère, on n'a pas envie de te dire, allez Anta, sois heureuse, allez, c'est bon, c'est bien, t'es consolée, il y a Noël qui arrive et qui te fait un câlin, un hug. On a juste envie de pleurer, on est mal à l'aise et on a du mal à rentrer dans une idée de béatitude, d'un état dans lequel tu serais, où c'est un état serein, un état de paix. On a du mal à imaginer ça. Après, les autres béatitudes, même celle sur laquelle, Hani, tu as prêché la semaine dernière sur la paix, les autres béatitudes, elles sont globalement plutôt positives. Elles sont assez faciles. Mais là, la dernière. Heureux êtes-vous lorsqu'on vous persécute, lorsqu'on vous maltraite. Aïe, aïe, aïe. Celle-ci, vraiment, je trouve que là, Jésus, il va quand même loin. Il va loin. Je vais y dire après. Vous me spoilez, c'est bien les filles. Il va loin, Jésus. Et je me permets, Rafik, mais quand on voit en Algérie, en Kabylie, toutes ces églises qui sont fermées par le pouvoir algérien, et ces chrétiennes et ces chrétiens qui n'ont plus de lieu dans lequel prier, qui sont persécutés, qu'on se polie vraiment, et ben on a du mal à dire « Allez, allez les amis, soyez heureux !» Je regardais tout à l'heure, pour réavoir juste les chiffres en tête, l'index mondial de persécution des chrétiens de Portes Ouvertes, qui est publié chaque année au mois de janvier. Ils ont estimé à 360 millions de chrétiens qui, en 2022, ont été persécutés, de faiblement persécutés, faiblement c'est déjà un peu trop, jusqu'à vraiment une oppression très grave, jusqu'à la mort. 360 millions de chrétiens, et juste pour vous donner un ordre d'idée, parce que 360 millions, on voit bien que c'est énorme, et en même temps, voilà. Porte Ouverte sur leur site, ils nous disent, ça veut dire que ça fait un chrétien sur sept. Un chrétien sur sept est persécuté en raison de sa foi. En raison de sa foi. Juste parce qu'il est chrétien. Pourtant, être chrétien, ce n'est pas forcément marqué sur notre front, les frères et les sœurs. En tout cas, nous ici en France, éventuellement, si on a un col ecclésial ou si on a, j'arrive même pas à la récupérer, mais une chaîne, si on a une petite croix huguenote, c'est pas trop visible, si on a une croix, c'est déjà un peu plus visible, si on a un crucifix avec Jésus dessus, alors là, fou là là, c'est encore plus visible. Mais à part ça, à part ces signes ostensibles, voire ostentatoires, c'est pas évident qu'on soit chrétien. Mais ses frères et ses sœurs dans le monde sont persécutés en raison de leur foi. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils prennent la parole à tout va et ils disent Jésus à tout va? Ils marchent dans la rue, ils disent Jésus, Jésus, Jésus. Ils vont acheter du pain, Jésus, Jésus, Jésus. Ils vont à l'école, Jésus, Jésus, Jésus. Et de manière ostensible, ils prennent leur Bible dans les rues, en Kabylie, et ils disent « Moi, j'ai la parole de Dieu. » En fait, non. En fait, les chrétiennes et les chrétiens, les 360 millions qui sont persécutés, recensés par Portes Ouvertes, ils ne sont pas en train de sans cesse montrer par leurs paroles qu'ils sont chrétiens.
Ils sont comme vous et moi. Ils essayent de vivre leur foi. Alors, peut-être que certains ont plus de courage que nous, mais je ne crois pas qu'ils soient tous des prédicateurs ambulants qui mettent des caisses dans la rue pour monter sur les caisses et qui crient « Convertissez-vous ! Car le royaume des cieux, le royaume de Dieu est proche !» Je pense que la plupart des chrétiennes et des chrétiens persécutés, et vous pouvez lire le rapport de Portes Ouvertes, hein, c'est juste des gens normaux, avec une foi sincère, fidèle, mais une foi, c'est vrai, chevillée au corps. À tel point que leur environnement, leur entourage sent une conversion, une manière d'être au monde peut-être un peu différente. Une pratique différente. Ah, ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu ici ou là. Tiens, est-ce que tu n'as pas changé quelque chose dans ta vie? Des enquêtes. Ses sœurs et ses frères, qui sont comme vous et moi, sont juste dans une société, un milieu, un temps où il est mal vu de suivre Dieu, de suivre Jésus. L'évangile selon Matthieu, dans ses béatitudes, dans cette huitième béatitude, parle de justice de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés, non pas à cause de moi, mais heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, à cause de la justice. Et dans le vocabulaire de l'évangéliste Matthieu, ou dans le vocabulaire de Jésus, si vous voulez, hein, la justice est incarnée en Jésus. Et c'est pour ça qu'on dit heureux ceux qui sont persécutés à cause de moi. D'ailleurs, Jésus va le dire juste après, au verset 11. Mais fondamentalement, c'est une persécution à cause de la justice de Dieu. Frères et sœurs, est-ce que vous croyez que Dieu vous fait justice? Et qu'est-ce que ça change pour votre vie que Dieu soit le Dieu de la justice, un Dieu juste, pas uniquement un Dieu gentil, un Dieu d'amour, un Dieu de grâce, un Dieu juste. Qu'est-ce que ça change dans votre vie? Dieu, par nature, est saint. Ça veut dire que en lui-même, il n'y a pas d'impureté, il n'y a pas de péché. Tout ce qui plombe nos relations avec les autres, tout ce qui plombe notre regard sur nous-mêmes, tout ça n'existe pas en Dieu. Dieu est saint. Et parce que Dieu est saint, Dieu est juste. Il ne va pas dire ah, Mélodie, allez, j'ai une petite préférence pour Mélodie. Je vais faire plus de grâce à Mélodie que à Noélie. Dieu est saint, et parce que Dieu est saint, Dieu est juste. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice. Justice que Dieu
donne. Je vous ai dit le verset suivant, le verset 11, Jésus nous fait comprendre qu'il est la justice incarnée de Dieu. Mais heureux ceux qui sont persécutés, parce qu'à l'image de Dieu, ils pratiquent la justice. Alors du coup, j'en reviens sur mes chrétiens persécutés, les 360 millions dont nous parle Porte Ouverte. Ils ne sont pas en train de monter comme ça sur des chaises ou des petites caissettes, en train de dire « convertissez-vous, convertissez-vous »,« Jésus vous aime », en train de faire des tags « Jésus sauve » dans le périphérique parisien. Ils ne sont pas en train de faire ça. Par contre, une chose, ils vivent selon la justice de Dieu. Ah! Peut-être que là, on a quelque chose à apprendre. En tout cas, que moi, j'ai quelque chose à apprendre. Moi qui ai mes préférences. Noélie, je t'aime beaucoup. T'inquiète pas, je vais reprendre mon exemple avec Mélodie. Je peux avoir mes préférences dans les amitiés. Je peux avoir mes préférences par rapport à tous ceux qui, en dehors de vous, parce que vous, je vous aime, mais les autres. Ceux, quand je suis allé chercher Evelyne ce matin, eh ben, ils roulaient comme des fous et qui m'ont fait des queues de poisson. Eux, j'ai pas envie de les aimer. Qu'est-ce que c'est que vivre la justice de Dieu ? Et qu'est-ce que je suis prêt à perdre à cause de la justice de Dieu ? Voilà où on en est avec cette huitième béatitude, aujourd'hui pour nous. Heureux êtes-vous si vous êtes prêt à tout perdre ? C'est ça la persécution. Perdre votre vie, ça, je pense qu'on est beaucoup à être prêt à perdre notre vie si on ne touche pas à nos familles, si on peut protéger ceux qui nous sont les plus chers. Je suis prêt à me sacrifier. On est plus ou moins tous prêts à ça, si c'est pour protéger les autres. Mais la persécution, c'est aussi être prêt à avoir nos enfants être enlevés, séquestrés, violentés, violés, à cause de la justice de Dieu. Celle qui s'accomplit en Jésus et celle que je suis amené à accomplir. Fidèle à cet amour de Dieu. Heureux sont ceux qui sont persécutés à cause de la justice. C'est vous ? Qui est appelé à prendre tous les risques, pas de manière inconsidérée, hein, évidemment. Je vous déconseille fortement en tant que pasteur d'aller en Afghanistan comme m'aider à le faire et d'aller crier « Jésus, 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 Jésus !» ou d'aller en Corée du Nord, le pays qui persécute le plus les chrétiens dans le monde, et de crier « Jésus, Jésus, Jésus !» ou de distribuer des Bibles, là tout va. Ça, je vous le déconseille. Mais jusqu'où sommes-nous prêts à aller ? Et je sais que vous êtes prêts à y aller. Pour vivre selon la justice de Dieu. Aimer les autres. Ceux qui vous veulent du bien, mais aussi tous ceux qui vous veulent du mal. Aimer les autres, c'est ça la justice de Dieu. Coûte que coûte, aimer les autres, pardonner aux autres. Pardonner à ceux qui m'insultent, pardonner à ceux qui me maltraitent, parce que Dieu
vous a pardonné, nous a pardonné, m'a pardonné. Moi qui blasphémais le Seigneur, moi qui par mon comportement faisais du mal à Dieu, moi qui ne suivais pas et qui ne suis pas trop souvent les bons projets de Dieu. Alors oui, justice est faite par Christ dans la miséricorde de Dieu. Dieu veut me faire grâce. Dieu est prêt à tout me pardonner. Peut-être le péché contre le Saint-Esprit, ça c'est une autre question. Et qu'est-ce que ça change dans ma relation avec les autres en termes de justice? Trop souvent, je suis, vous savez, comme ce mauvais serviteur. Celui à qui on a pardonné, à qui le maître a pardonné, a remis la dette, et qui, dès qu'il le peut, retourne vers ceux qui lui doivent quelque chose, vers celui, en l'occurrence, dans l'histoire de Jésus, qui lui doit quelque chose, et qui est prêt à mettre le couteau sous la gorge, à le mettre en prison. Pour recevoir quelque argent. Heureux sont ceux qui sont persécutés à cause de la justice, à cause de cette volonté profonde de Dieu d'être en relation avec chacune de ses créatures, celles qui sont faciles à aimer, parce que leur caractère est facile à aimer. Et celles pour lesquelles c'est plus difficile. Celles qui sont au plus proche de moi, par leur culture, leur comportement, mais aussi toutes celles avec lesquelles j'ai tellement de mal à communiquer. Je ne les comprends pas. Ils disent des choses, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Heureux sont ceux qui sont persécutés pour la justice, parce qu'ils veulent vivre la justice de Dieu, car le royaume des cieux est à eux. Sœurs et frères, c'est en aimant comme Dieu aime. C'est en étant loyal, fidèle, empathique, compatissant. Ça veut dire qu'il partage la même passion avec ses souffrances que Jésus a été. Qu'alors, nous recevrons le royaume de Dieu. Alors vous allez me dire, mais en fait, non. Arnaud, c'est bien beau, c'est facile, c'est un prêchi-prêcha là que tu nous fais. C'est facile un dimanche du mois de mars, tu nous rabâches à nouveau des choses que demain on ne pourra pas mettre en œuvre. On ne peut pas. Tellement de souffrances, jusque dans nos familles. Pourtant, sachez-le, les prophètes avant vous, ceux qui voyaient Dieu, c'est ça les prophètes, ceux qui voient, les voyants, on pourrait dire aujourd'hui, les navis, ceux qui voient. Ce n'est pas une référence à Avatar, hein, c'est Avatar qui a fait référence. Ceux qui voient, ils ont été persécutés. Ils ont été prêts à tout perdre. Malgré leurs inconstances, malgré le fait que des fois ils ont pris un bateau pour aller dans un autre pays, dans une autre région, pour s'éloigner de Dieu. Malgré le fait qu'ils ont essayé de négocier avec Dieu pour faire une petite malédiction par-ci, pour avoir une bonne bénédiction d'argent par-là.
Et tous ces prophètes, ils ont été persécutés. C'est vrai. Mais le royaume des cieux leur appartient. Sœurs et frères, aujourd'hui, vivez selon la justice de Dieu. Parce que Dieu, il vous fait justice. Dans sa grande miséricorde, le Seigneur vous aime. Aimez et vous demeurerez avec lui pour toujours.